Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Nous allons démarrer tout de suite avec l'information. Mais avant de faire ça, équipe TV Caraïbes, je voulais remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombado Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nous ou remettre l'information nous partager, ou capable abonner avec TV Caraïbes et puis pas oublier ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes et ça t'a impressionné nous en pile. Si tu es capable aider nous grandir chaîne ça, et bien nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo en nous. Jodi a c'est 12 janvier 2020, ça veut dire 10 ans depuis tremblement de terre, t'es passé ici dans Haïti côté nous t'ai gagné environ 300 000 monde qui t'ai perdu la vie yo. Dans occasion ça, président République la Jovenel Moïse dans jardin Mipana parler à population. Dans occasion ça, président République la Jovenel Moïse fait une cérémonie pour commémorer toutes victimes, pour capable songer toutes victimes tremblement de terre 12 janvier 2010 yo. Nous pas perdre temps, nous allons inviter au suivre un extrait dans discours président République la Jovenel Moïse dans occasion 10 ans anniversaire tremblement de terre côté environ 300 000 monde t'ai perdu la vie yo. Eh bien, nous pas perdre du temps, n'a pas commencé cool, Après son investiture, le 12 janvier 2010, le troisième palais de l'ère républicaine fut détruit par un tremblement de terre. Monsieur le Président, vous êtes invité à dévoiler la maquette et le nom du firme qui construira le quatrième palais de l'ère républicaine. Merci. Et reçu hier la commission était chargée pour la reconstruction du palais national. Cette commission m'a remis une enveloppe ferme hier. Et je ne sais pas encore quelle entreprise a gagné ce concours, parce que l'enveloppe, elle est exactement comme nous l'a donné hier. Je vais ouvrir en fait cette enveloppe et lire ce qu'il y a dedans pour le peuple haïtien, pour mes frères et sœurs de la diaspora, me regardent, qui m'écoutent. Le midi, dans cette journée spéciale, 12 janvier 2020, je ramène le 10e anniversaire du tremblement de terre. Depuis le mois de mars 2017, j'ai nommé cette commission et un an, je dirais 9 mois après, nous allons tous ensemble connaître le lauréat de ce concours et du même coup avoir une idée quel palais que nous allons avoir et que nous allons laisser pour les générations futures. Je donne lecture au certificat. Nous, Maître Jean-Marie Jude Emmanuel Leslie Alfou, notaire à Pétionville, identifié au numéro 166-93-937. Immatriculé fiscalement au numéro 003-047-749-5. Patenté au numéro 290-706-1964. Et imposé au numéro 2907-06-1962-8, souci. Certifiant à tous ceux qui l'appartiendront, qu'ainsi qu'il est relaté dans le procès verbal par nous dressé à la date du 10 janvier 2020, à la requête de monsieur l'ingénieur André Alix Sineas, identifié au numéro 01. 01 99
19 33 12 0 0 0 0 3 et immatriculé fiscalement au numéro 003 054 594 1. Propriétaire demeurant et domicilié à Pétionville. Agissant en sa qualité de président du jury du concours d'architecture en vue de définir le parti architectural du bâtiment historique du Palais national, mis en place par arrêté présidentiel en date du 25 juin 2018, publié au Moniteur, Journal officiel de la République d'Haïti, au numéro 119 du vendredi 9 juillet 2018. Et au local de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, UCLBP, au numéro 32 de la rue Faubert à Pétionville, également siège du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national où nous nous sommes expressément transportés aux fins d'assister à la proclamation, à la remise du dit groupe de travail et de réflexion des résultats du dit concours. Le jury du concours architecture en vue de définir le parti architectural du bâtiment historique du Palais national par la voix de son président, après évaluation des quatre propositions finalistes soumises, mesdames, messieurs les représentants des institutions indépendantes, mesdames, messieurs les représentants des organisations internationales, messieurs les représentants du corps consulaire, mesdames, messieurs les artistes, peintres et sculpteurs, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, mesdames, messieurs, frères Maxime, haïtiens, haïtiennes, dans quatre coins pays et dans la diaspora, ça a 10 ans, date pour date. Haïti est sous tout écran télévision, dans la bouche tout commentateur radio et télévision dans le monde là. Yon gros tremblement de terre, personne pas de parler pour lui, te frappé plusieurs côtés dans le pays. Jou ça, c'est pas seulement terre qui te tremble. C'est entrailles, chaque grain haïtien, haïtienne, avec chaque grain haïtien est bouleversé. Jou ça, ce n'est pas seulement la vie moun qui te perdu. C'est en pile croyance, conviction, habitude et attitude nous qui te courir aller. Jou ça. C'est pas seulement kay qui te tombé. Mauvaise foi, colère, haïssance, division, écraserac. En bas masse béton, poussière avec la fumée, l'espoir avec solidarité et celle sous lumière. Pas bien 10 ans, date pour date. Haïtien, haïtienne, te mette un seul mot dans la bouche monde là. Résilience. Toute l'autre nation t'a posé cette question pour qu'on ait côté nous une force et courage pour s'y vivre. En bas gros cette catastrophe. Ça vous oublié. C'est des vis nous qui se met en pile chai palo. C'est des vis ça qui te donne nous force et courage pour nous te faire face carré à gros épreuves. Bloc béton, ferraille. Il n'y a pas de cas résister en bas force l'espoir et solidarité femme tant que garçon et mettez dans un effort de tape fait pour sauver la vie d'une famille
yon zami, yon collègue, yon voisin, yon inconnu. Malgré ça, en pile gros rapport est dit, 12 janvier 2010, pas oublié. Premier aide humanitaire est sorti. Non mais haïtien, ak haïtienne qui était si vivant yo. Machin s'achète de l'eau yo. Machin mange de cuit yo. Machin paye yo. Malheureux. Malheureuse qui t'a promené boisson glacée sous tête yo. Garçon ak femme gros ponyet. C'était yo même qui te pote premier aide yo. C'est yo qui te répond à premier acte urgence moment. 12 janvier 2010. Aucun chat n'est pas de loup. Aucun chat n'est pas de trois loups. Parce que nous sommes unis. Nous sommes ensemble. Nous sommes mangés ensemble. Nous sommes dormis ensemble. Nous sommes criés ensemble. Nous te prier ensemble. Même dans la mort, nous te ensemble. Parce que plus fort victime est enterré ensemble. Dans la fosse. Probablement de te ça, était de donner mon riche, et comme mon pauvre. Mon en haut, et comme mon en bas. Mon peau noir. Et comme on peut clé. Nous en dehors. Et comme on la ville. Et pas de paille. Et mettez de l'eau dans genou tout à ici. Pendant qu'on a honoré courage, chaque garçon avec femme voyant qui te fait le monde entier. Ou qui gros c'est miracle. Solidarité qu'a fait dans la vie, on peut. On a profité. Saluer mémoire. Il a eu. Il perdit la vie yo, dans la catastrophe. Ça. Vous voulez parler? Les 300 000 victimes. Voilà. Yo. Peuple haïtien, mesdames et messieurs, notre pays, en raison de sa position géographique, et malheureusement pas à l'abri des catastrophes naturelles, séismes, tsunamis et autres dangers connexes. Plusieurs failles actives traversent le pays, dont celle d'Henri Quillot et du Grand Nord. Rien que pour l'année 2019, nous avons enregistré pas moins de 301 secousses sismiques, dont deux de 4.8 sur l'échelle de Richter. De plus, en raison du réchauffement climatique et comme petit état insulaire, nous sommes appelés à enregistrer plus fréquemment des cyclones avec des vents de plus en plus violents. Le cyclone Mathieu, qui en octobre 2016 avait sévèrement frappé les départements de la Grand'Anse et du Sud, avait emporté la vie de plusieurs centaines de nos compatriotes et causé des dégâts à hauteur de plus de 2 milliards de dollars américains et fait plusieurs milliers de sans-abri. La science, malheureusement, a ses limites en matière de prévision. Nous devons donc anticiper les phénomènes naturels. Même si nous sommes impuissants face aux risques en raison de notre position géographique, nous avons l'impérieuse obligation de faire preuve d'une certaine capacité de résilience et réduire notre niveau de vulnérabilité. Nous ne saurions oublier que le séisme de 7.3 sur l'échelle de Richter qui nous a frappé le 12 janvier 2010 a fait plus de 300 000 morts, presque autant de blessés et plus d'un million de sans-abri en seulement 35 secondes.
depuis le tremblement de terre de 2010, des décisions, lois et dispositions ont été prises pour mieux répondre à une éventuelle catastrophe. En plus d'avoir décrété cette date comme journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, nous pouvons également mentionner le projet de loi sur les normes d'accessibilité à l'environnement bâti qui a été déposé et voté au Parlement par l'exécutif, qui est là aussi publié. Entre autres actions, 100 ingénieurs ont été recrutés sur concours avec l'aide de l'OMRH pour être affectés aux municipalités d'ici le mois de février. L'État s'assure également aujourd'hui que les institutions comme le PPLS et l'UCLBP respectent scrupuleusement les normes parasismiques dans la construction des logements sociaux et des bâtiments publics. Peuple haïtien, mesdames, messieurs, aujourd'hui, pendant que nous pleurons nos morts, nous devons aussi saluer la générosité de tous ceux et de toutes celles qui se sont comportés en véritables héros et héroïnes. Nous devons saluer le courage de ceux et de celles qui ont survécu des heures, des jours, sous les décombres, confiant qu'au dehors, tout était entrepris pour qu'ils puissent s'en sortir vivants. Nous en profitons pour exprimer encore une fois notre plus sincère reconnaissance et nos remerciements à tous ces pays frères qui, dans un élan de compassion et de solidarité, ont volé à notre secours. Nous devons saluer et encourager également la grande fraternité, la grande solidarité inter-haïtienne où des compatriotes ont à main nue dégagé nos frères et sœurs des masses de béton armé. Dans la province où sont allés se réfugier des centaines de milliers de victimes, ils ont été accueillis à bras ouverts et nos pauvres paysans ont partagé leur pain, leurs droits, le peu qu'ils n'ont pas. Combien de gens avons-nous croisés transportant sur des civières de fortune les cordes déchiquetées d'un proche, d'un voisin, d'un collègue? Combien, dans les jours qui ont suivi la catastrophe, ont fouillé tous les recoins de leur maison à la recherche de tout ce qui pouvait aider et soulager une voisine, un inconnu, aux côtés duquel ils avaient trouvé refuge? Nous avons vu des gens risquer leur vie pour sauver celle de quelqu'un dont ils ne connaissent que le filet de voix filtrant à travers les décombres. Nous avons vu des commerçants vider leurs magasins pour offrir boissons et nourritures à des enfants livrés à eux-mêmes. Nous avons vu des femmes portant sur leur dos des hommes faisant deux fois leur poids sur des mètres et des kilomètres afin qu'ils puissent recevoir des soins. 10 ans après, Haïti offre malheureusement une autre image au monde. Où est donc passée cette solidarité? Le constat aujourd'hui est que la haine et la discorde ont gagné nos cœurs.
L'incitation à la haine et à la violence nous a transformés. Ce peuple réputé bon est devenu méconnaissable. C'est pour cela que je ne cesse de prêcher le dialogue depuis mon ascension à la tête du pays. Les conséquences de longues périodes de troubles, d'instabilité politique, et en particulier le phénomène pays loc et ses impacts inestimables ont certainement causé plus de dégâts dans notre économie et fait plus de tort à notre société. Pour ne pas dire presque plus de tort que le tremblement de terre du 12 janvier 2010. C'est un constat. Si en 2010, le monde s'est apitoyé sur le cas d'Haïti, en montrant la compassion et une grande solidarité, aujourd'hui, les derniers événements ont plutôt suscité la peur et le repli sur soi, au point que certains pays qui se rouillaient pour me porter secours en 2010 déconseillent à leurs ressortissants de nous visiter aujourd'hui. La plupart de nos hôtels ont dû fermer leurs portes ou réduire considérablement leur personnel. Peuple haïtien, Frère Maxime, jodi a, ou même qui t'es sorti en bas des combes par la grâce d'un inconnu, gardez tête ou dans la glace. Posez tête ou question ça. Qui sont à faire la vie ou? Qui sont à faire pays ou? Qui sont à faire avec solidarité ça? Mande tête ou? Est-ce que vous songez qui est-ce qui t'est retiré en bas des comptes? Est-ce que vous t'es même connu mon ça? Est-ce que vous songez qui est-ce qui t'est fait rejoindre premier plat manger chaud? Côté manger après catastrophe là. Moun qui te bat premier gorgé de l'eau qui te lave poussière dans gorge. Personnel médical qui te sauvé la vie. Si vous te songez, si nous te songez, nous t'a gardé yon l'autre manger. Et puis nous baillons quoi accolade. Une accolade l'amour. Une accolade l'espoir. Dans le moment où nous traversons là, nous avons besoin plus que jamais solidarité ça. Unité ça. Fraternité ça. Qui te fait force nous. Qui te fait nous pas perdre l'espoir. Dans un moment difficile, ça. Nous avons besoin plus que jamais solidarité, ça. L'unité, ça. Fraternité, ça. Qui te donne courage. Qui te fait nous croire que nous avons reconstruit le pays, nous. Remettre le pays, nous, sur rail changement, développement et croissance économique. Nous avons besoin plus que jamais solidarité, ça. L'unité ça, fraternité ça, qui te fait nous oublier tête nous, pour nous bailler la vie, avec frère nous, c'est nous, qui t'en bas des comptes, qui t'en en difficulté. Nous besoin plus que jamais, solidarité ça, l'unité ça, fraternité ça, qui permettre nous mettre sous côté, orgueil nous. Vieille idée là, sensio. Envie boulée, envie crasée, brisée.
pour nous chita ensemble. Pour nous décider ensemble qui ça nous voulait faire, qui ça nous doit faire avec pays ça. Peuple haïtien, Père Maxime, dans l'occasion commémoration 10e l'année tremblement de terre, l'urgence aujourd'hui, gros urgence que nous avons, c'est pour nous mettre tête ensemble, dans l'unité, pour nous reconstruire le pays, pour nous reconstruire la nation, si l'été existait déjà, pour nous reconstruire la jeunesse là. Oui, nous devons chita ensemble. Parce que nous avons un devoir mémoire envers toute victime. Ça. Nous avons un devoir mémoire envers la famille. Nous avons un devoir mémoire envers les survivants et la majorité silencieuse. Nous avons un devoir mémoire envers une catastrophe là te quitté un handicap physique tant que mental yo. Nous gagnons des voix mémoire envers espace symbolique et institutionnel pays. Yo l'autre fois encore. M'a invité tout le monde. M'a dit tout le monde qui fait partie des forces politiques, des forces sociales et des forces économiques pour nous cacher ensemble. C'est seulement comme ça, c'est seulement ensemble, nous avons fait des réformes. Réformes que nous avons cherché depuis 1806. Réformes que nous avons cherché pour que ça puisse faire bio. Qu'a vienne vivre plus bien. Réforme que n'a cherché qui ca craser division qui gagne entre mon en haut, mon en bas. Mon la ville, mon en dehors. Réforme que n'a cherché qui pour permettre pour nous gon bouge en constitution. Qui ca fait chaque haïtien comme côté droit yo ak devoir yo commencer et côté droit yo ak devoir yo fini. Réforme qui permet pays a prendre chemin développement économique et social tout bon vous. Nous souhaitons nous bon courage. Nous souhaitons peuple haïtien passons bonne journée méditation et réflexion. Merci un peu. Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, après inviter le couple présidentiel, le Premier ministre, président du Sénat, président de la Chambre des députés, le président du CSPJ, les membres du gouvernement, à regagner le corps diplomatique, à regagner le restaurant du Mubana, là où on va dévoiler la maquette pour les écrans, la nouvelle maquette du Palais National. Merci à tous. Voilà, téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, nous presque arrivés dans la fin cérémonie pour marquer deuxième phase, journée pour commémorer 10 l'année depuis tremblement de terre 12 janvier 2010 l'anté fait gros dégâts dans le pays d'Haïti la cause de la mort plus passé 250 000 chrétiens vivants et ça te lagué plus que 1 million citoyens sans caille sans côté priorité. Président République là qui souhaite adresser message li à nation et c'est seule intervention dans la cérémonie ça. Président République Jovenel Moïse dans premier temps lancé discours lien côté li présenté avec fierté compagnie Raco Déco
comme grand gagnant parmi quatre finalistes concours pour construire Palais National. Et c'est le président de la République là, avec la première dame Kounia qui a visité maquette pour construction Palais National. Là, alors quatre finalistes qui ont exposé maquette dans une salle dans le jardin Mubana. Le président de la République là, qui a tout profité de rencontrer avec le jury concours. Concours là, qui a été lancé sous direction groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du Palais National GTRRPN avec support ICLBP, Unité de construction de logements et de bâtiments publics. Sous 15 finalistes, c'est 4 qui étaient retenus. Et parmi 4 saillots, compagnie saillots, c'était compagnie Archivol SA, c'était Secom Consultant, c'était Edifica SA. Et puis, compagnie qui s'est remporté Grand Prix, remporté concours ça, Rapo Deco. Alors, critères, d'après mon jury, les concours ça ont été lancés, nous sommes dans le Palais National, télévision nationale d'Haïti en direct. Le membre jury a expliqué critères pour une compagnie qui est retenue, qui a respecté pour capable arriver remporter prix ça. Il faut travailler, rapprocher en pile, parce que en construction, la construction est un art. Nous connaissons n'a pas qu'à reproduire Palais National à 100%, mais je te dis compagnie qui rapprochait plus près de travail Palais National là, dernier Palais National là, c'est compagnie ça qui a kembé. Alors c'était un critère. Il y a divers autres critères encore nous capables de citer qui étaient mentionnés non liste jury a lui-même te proposé pour compagnie participer. Et c'est Rapo Deco d'après même jury qui plus proche critère yo te mandé. C'est pour ça président République là lui-même qui te gain honneur, c'est lui-même groupe de travail là avec ICLBP te remettre enveloppe pour dévoiler nom moun qui gain. Et c'est premier bagage président République là te fait l'elle te démarrer discours là, c'est présenter, elle te présenter compagnie Rapo Deco comme compagnie qui remportait concours pour reconstruire Palais National. Palais National qui était écrasé pendant la catastrophe 12 janvier 2010. Là. Côté gain, il y a une trentaine de personnels Palais National qui étaient morts dans l'incident. Ça. Et chef de l'État a fait songer tout dans le discours, esprit solidarité et courage qui a animé chaque Haïtien qui était vivant un moment terrible. Ça. Pendant le président Jovenel Moïse, souligner la nécessité pour Haïti faire preuve de capacité de résilience, ça veut dire pour que pays soit moins vulnérable face à la catastrophe naturelle. Le président de la République a fait connaître l'État pour assurer que l'institution qui est là pour faire programme de logements sociaux respecte les normes de construction par assistance, par exemple EPPLS, UCLBP à toute l'autre instance qui accompagne yo cap investi dans construction de logements sociaux. Président Jovenel Moïse, une fois encore dialogue là, lycée en impasse obligé. Président prône dialogue en différents secteurs dans vie nationale là, et spécialement dans mitan classe politique là qui c'est une grande famille. Pendant que chef l'État a condamné le phénomène pays loc là, il dit qu'il fait pays à faire gros bac sur le plan économique. Phénomène pays loc là, qui la cause en pile hôtel avec plage privée obligée de fermer portio. Président de la République a fini le discours, vous le dites être ensemble, c'est urgence moment. C'est un devoir de mémoire envers victimes, envers survivants, envers les gens qui ne peuvent pas mourir dans le tremblement de terre, mais qui étaient handicapés. Donc en fait, c'est ça qui te fait essentiel l'intervention ça. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable de nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbes, et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord?
Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.